Ah, que les grands de ce monde n'entendent-ils, comme les gens simples, cet appel à la véritable justice qu'ont lancé Abraham, Moïse et tous les prophètes jusqu'à Jean. Jean, le plus grand d'entre eux, sans doute parce que lui je l'ai connu, ne puis-je m'empêcher de penser en me disant que la crispation dont j'accompagne cette réflexion doit davantage ressembler à un rictus qu'à un sourire, tellement elle me coûte d'efforts. Jean, ce prophète génial qui, rien qu'en plongeant au fond du regard de celui qu'il avait devant lui, savait lire qui il était réellement, dont je reconnais certains des auditeurs épars, lesquels, même quand ils ressentent pour nous trois de la compassion, n'ont apparemment pas compris son message. Jean, dont j'entends encore les virulentes invectives, s'il les leur lançait avec cette violence, m'avait-il expliqué un jour, c'était dans l'espoir de les réveiller. Écoutez bien, si vous ne changez pas, la cognée du ciel s'abattra sur vous et sur vos descendants, comme celle du bûcheron sur les arbres qui ne portent pas de bons fruits. Puis il se taisait, attendant que ces paroles de braise enflamment l'un ou l'autre de ceux qui étaient venus l'écouter. Et l'on n'entendait plus alors que le bruissement de l'eau du Jourdain qui se déchirait sur les pierres. Jusqu'à ce que l'un d'eux se décide. « Maître, que devons-nous faire ?»« Que celui qui a deux tuniques en donne une à celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. »« Vous voyez, ce n'est pas compliqué, » répondait-il, radouci, axant son message sur la notion simple de partage. Idée de répartir de manière plus juste les richesses de ce monde que j'ai complété en introduisant le principe fondamental du pardon. Deux principes qui sont indissociablement liés quand on y regarde de près. Car de même que sont nécessaires les multiples pardons qu'accordent sans cesse les parents à leurs enfants pour maintenir unis leur famille, de même revient-il à ceux qui disposent de quelques biens de comprendre qu'il dépend d'eux, avant tout autre, de rééquilibrer les richesses mal réparties de la terre, même quand est honorable la manière dont ils les ont obtenues, pour que la famille humaine vive en paix. Et sortent donc de l'impasse dans laquelle elles se trouvent. Que c'est à eux de comprendre qu'ils doivent se comporter non plus comme les maîtres qu'ils ont l'habitude d'être, mais comme les serviteurs de ceux-là même qui sont à leur service, ne serait-ce que pour remercier Dieu de les avoir ainsi privilégiés. Ce qui vaut encore davantage pour ceux-là qui sont riches de leur certitude dogmatique. Qu'avec intransigeance, ils ont trop souvent l'impudeur de faire passer avant les exigences de la plus élémentaire fraternité. Je convenais. Ces vérités, vous avez du mal à les avaler. Pourtant, c'est en les faisant vôtres que vous respecterez la volonté de ce Dieu que vous prétendez adorer. Et de songer à part moi que, lorsqu'il m'arrivait d'être sollicité par un païen pour guérir l'un des siens, je ne lui demandais jamais en quel Dieu il croyait, ni ne cherchais jamais à le convertir à la religion juive que je pratiquais. Avec tout le respect auquel il a droit, puisqu'il est mon frère, je me contentais de l'inviter à veiller à ne pas déroger aux valeurs divines qui nous sont communes à lui et à moi. Ainsi voulions-nous, Jean et moi, réorganiser la société et, depuis qu'il n'était plus là, m'efforçais-je de faire comprendre, particulièrement aux riches de ce monde, l'urgence de rétablir la justice initialement voulue par Dieu, en donnant pour exemple l'amour que tout père normal souhaite voir régner entre ses enfants. Ainsi, en remettant à leur vraie place nos petites valeurs terrestres, mensongères et périssables, voulions-nous que les valeurs divines de la vérité, ces valeurs que Dieu souhaite nous voir partager, servent de base à tous nos actes. Et faire de notre terre rajeunie ce paradis qu'évoque l'auteur de la Genèse, un Éden dans lequel notre Père du ciel veut que nous vivions heureux, tels les dieux que nous sommes tous, puisque tous nous sommes ses enfants. Mais qui est capable de comprendre l'ampleur d'un tel projet? Ah, que les Han et les Caïphes ne nous ont-ils entendus, et ne se rendent-ils compte que c'est parce qu'ils n'ont pas observé la justice la plus élémentaire que, sans distinction, malfaiteurs et innocents subissent même verdict et même supplice, en sorte qu'avec mes deux compagnons,
je me retrouve sur une croix aujourd'hui. Que n'ont-ils entendu que ce monde meilleur auquel les hommes aspirent, si ce n'est pour eux, du moins pour leurs enfants, est pour aujourd'hui, qu'il dépend d'eux, qu'il leur suffit de faire leur les valeurs de Dieu, avec les efforts qui vont avec, pour entrer dans la vie éternelle et être heureux sur terre. Mais ils préfèrent reporter cette vie éternelle après la mort dans un au-delà dont ils n'ont aucune idée. Que ne leur apparaît-il évident que le premier des signes qui montrent qu'ils font fausse route, c'est quand ils se dressent comme des cobras et attaquent, quand on met en doute les certitudes incontournables dont ils ont fait l'essentiel de leur foi au nom de la religion, notamment en reportant l'avènement d'un paradis après notre séjour sur terre. Que n'ont-ils compris que les religions ne sont pas faites pour défendre des idées, mais pour aider à grandir? Mais cette vérité-là, qui est suffisamment ouvert pour la faire sienne ?